Hello, everyone, ladies and gentlemen. Les filles et les garçons, wow, attendez, parce que là, ça décoiffe. Regardez. Spring has sprung. On se retrouve aujourd'hui pour vous partager, parce que c'est vrai que ne quittez pas. Kawa, un cappuccino, bon, un latte, latte. Parce que si vous voulez la chocolatière de ce mec, parce que je passe du coq à l'âne, je l'ai acheté initialement pour le chocolat chaud. Les attendices du séminaire savent. Les flavonoïdes, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que là, la fonction lait mousseux, moussant, moussu, quelque part, est exceptionnelle. Bon. Donc c'est vrai que les filles et les garçons, si vous voulez, je suis ravie, mais pour le coup, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin entamer cette série, cette trilogie donc de vidéos, de gros dossiers forme et santé que je réserve absolument exclusivement à vous, chers membres, considérant le peu d'intelligence, la manipulation psychologique, l'endoctrinement dont est victime la masse. Et l'agressivité corrélative que je souffre en conséquence, vous êtes toujours là ou pas? En bas. Les vidéos membres, trois gros dossiers, des sujets extrêmement importants, je dirais moi personnellement absolument fondamentaux. Mais le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est quelque chose qui, moi, dans ma vie, est une révolution. Et j'y suis arrivée progressivement. Et les plus fidèles d'entre vous, c'est pour cela que moi, je me félicite de ce que la plupart d'entre vous, chers membres, êtes des OGs. Des OGs, des gens qui me suivent depuis le début. Il est très important pour moi que vous soyez là depuis le début, que vous observiez ce parcours, cette progression. En réalité, vous assistez avec moi à mon cheminement. Le dossier que je traite aujourd'hui, ladies and gentlemen, c'est le dossier du jeûne. Le jeûne, avec un circonflexe. Parce que l'autre, on n'est plus de la Gambie. Dieu d'une belle quarantaine. Bon. Mais le jeûne, fasting, d'accord ? Donc, c'est très mal de sauter un repas. Combien de fois vous l'avez entendu cette phrase quand vous étiez enfant et encore aujourd'hui à l'âge adulte ? Sortant de la bouche de ceux dont ce n'est pas le métier, la nutrition. Ni la médecine, de près ou de loin. C'est très mal de sauter un repas. C'est très mal de sauter un repas. Il faut surtout pas. On dirait c'est la mort. C'est la mort. Il faut surtout pas sauter un repas. Moi, je vous dis à contrario, on mange trop. On mange trop. Trop souvent. Et trop mal. Trop mal. Ce troisième volet, il est déclinable à l'infini, trop mal sur la qualité nutritionnelle de ce que l'on mange, les associations dans nos repas, l'ordre dans lequel on mange les composants de nos plats, les boissons qui sont prises concomitamment à la... What? Donc évidemment, la conséquence immédiate de ce bilan triste, de ce triste bilan, ce sont toutes les pathologies qui nous concernent toutes et tous, ou quasiment unanimement toutes et tous. Les troubles de la digestion, le syndrome de l'intestin irritable, les inflammations de toutes les obédiences. On est tous et toutes des inflammations sur pattes, là. La première expression de l'inflammation, ce sont les maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, la plus vorace, le cancer. Le cancer, on ne l'attrape pas, on le crée, c'est auto-immune. Les inflammations, les intolérances, les allergies, avec tous les tracas, je perds mes dents, je perds mes cheveux, je fais de l'acné, je ne dors plus la nuit, je suis en dépression. La dépression,
qui touche là. C'est, là, pour le coup, c'est pandémique. C'est pandémique. Le sucre, déjà, voilà. Donc, il est important de considérer la réponse que la médecine conventionnelle dans les sociétés occidentales, et là, je pointe l'index pour une raison que vous allez comprendre dans un instant, la réponse de la médecine conventionnelle dans les sociétés occidentales, quelle est-elle ? La médication. La médication. Vous avez des reflux acides, hein ? Médicaments. Vous avez la constipation, médicaments. Les problèmes de transit, médicaments. L'intolérance au gluten, le médicament. Cancer, bah, les médicaments. Ou chalumeau, hein, le lance-flamme. Où on ne distingue pas entre les cellules saines et les cellules... On brûle tout et on croise les doigts. Donc, ma réussite dans la pratique du jeûne et le fait que vraiment... c'est pour ça que je suis très heureuse et honorée, c'est mon privilège, parce que je vous ai grondé en introduction, mais je vous jure... Je sens que c'est à la fois ma mission, mon devoir de vous partager ça. Moi, je veux votre bien. Je veux votre bien. Je veux que vous soyez meilleur. Je veux que vous soyez mieux. Je veux que vous soyez plus fort. Je veux que vous soyez plus heureux. Je veux que vous soyez plus beau. Je veux que vous soyez plus mignon. Je veux ça pour vous. Je vous jure, je veux ça pour vous. Je veux ça pour vous depuis le premier jour où j'ai allumé une caméra. Je le veux de surcroît depuis que je m'adresse à vous, les membres. Vous payez tous les mois. Vous me payez 9 euros tous les mois. Pas tous les mois pour certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, oui. Donc, je veux vraiment ça pour vous. Et c'est la raison pour laquelle je suis fort aise de vous partager mon expérience. Quand je vous dispense mon conseil, je vous offre mon temps, mon assistance... Moi, je suis une nana de l'efficacité. Je ne suis pas une nana de caresser dans le sens du poil. Oui, je fais prendre par la main. Non, moi, je secoue, je gronde, j'explique, j'insiste, je recommence. Et moi, je suis dans l'énergie et dans le mouvement. Je ne suis pas dans on va s'asseoir, on va mettre un plaid sur les épaules avec un thé et tu vas aller mieux. Non, moi, je suis on retrousse les manches. Et on attaque le problème et on y met tout ce qu'on a dans les tripes, quoi. Tout ce qu'on a. Toute ton énergie mentale, ton énergie physique, ta discipline. Et on travaille efficacement. Moi, les oui, mais c'est non. Donc, ça prend de la discipline. Ceux qui jouissent pleinement de l'efficacité des projets qu'ils entreprennent, ils sont tous armés de cette discipline. On n'a pas besoin de nous convaincre. Moi, je ne suis pas là à essayer de convaincre les gens. Mais il y a un high avec le jeûne. Quand on a traversé les 18 premières heures, on va dire, il y a ce sentiment de plénitude, de paix, de sérénité. C'est vraiment de plénitude, de clairvoyance intellectuelle. Et on va le voir, ceci a une explication. Hein. Les corps cétogènes pour l'alimentation du cerveau, c'est autre chose. C'est un sentiment exceptionnel. C'est une extase calme. Parce que je ne sais pas quel type d'extase vous êtes familier. Mais quels que soient les types d'extases desquels vous êtes familière et familier, ce sont des extases d'intensité respiratoire et d'énergie et de vie comme ça. Moi, je vous parle d'une extase calme, silencieuse, mais une extase. Une extase, une plénitude. Je vous jure. Donc... Vous le voyez arriver gros comme une maison, et malheureusement dans cette société de l'apparence où il est plus intéressant, dans cette société, et plus profitable et plus bénéfique d'être beau que d'être bon ou d'être intelligent. Ay, que tristeza.
vous puisez dans le gras. Donc, évidemment, la conséquence immédiate, quelle est-elle? La perte pondérale. Mais la perte pondérale, belle gosse. Parce que quand vous faites des restrictions caloriques et que vous félicitez, pardon, d'avoir perdu 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos sur la balance, parce que c'est cette société mensongère de la facilité paresseuse qui vous explique qu'il faut que le chiffre sur la balance y diminue, vous avez perdu de l'eau. Et en deuxième temps, vous avez perdu le muscle. Donc vous êtes mince, mais flasque et faible. Quand vous perdez du gras, le muscle demeure. I love you so much, esto much. Prenez bien soin de vous, en commençant par ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Je vous retrouve tout vite. C'est vrai que je vous retrouve, il y a beaucoup de choses. Mais je l'ai dit, je n'annonce plus les thèmes des vidéos, parce que si pour des raisons X ou Y, je ne suis pas en mesure de les honorer dans les délais que vous déterminez de manière unilatérale, ça suscite des frustrations. Donc, je m'abstiens. Mais sachez, le ramadan arrivant, il va y avoir des contenus un petit peu épicés. Il va y avoir un petit peu de harissa par ici et par là. Donc, je vous donne de les babies. J'espère de tout cœur que vous êtes au max, que vous êtes au max et que vous êtes au max. D'accord? Prenez bien soin de vous, body and mind. Ou plutôt body and mind. Et je vous retrouve tout vite. Celebrate, but ain't no celebrations.